honorable Mohamed Hawa Gastama Jabi, député du Bénin à l'Assemblée nationale, et ma circonscription c'est à Yélimane. Bien, bien, l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Cissé. Monsieur honorable Mohamed Hawa Gastama Jabi. Mahamadou Hawa Gastama Jabi, c'est pas Mahamadou, c'est Mahamadou Hawa Gastama Jabi. Il est élu 22 ans à l'Assemblée. Il est élu 22 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Madame, j'étais là pour revendiquer mon droit. Parce qu'on a un pays démocratique. On a un pays démocratique. Les démocratiques, si on voit les élections, il y a beaucoup de recours. On peut déposer une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. On peut écouter les ministres de l'administration territoriale. D'abord, il faut me demander, on a fait le premier tour au Mali. Mais avant l'élection, nous les prochains, on a dit que vraiment, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on va à l'élection. Le gouvernement a dit que c'est fait. On a trouvé qu'ils ne sont pas faits par rapport à la liste, par rapport à l'élection de tous les territoires du Mali. Ils sont garantis. On est allé à premier tour. Je peux dire que mon candidat, vous savez, j'étais là, je te connais, vous savez qu'on a gagné. Soumaïla a gagné. On peut dire qu'il a gagné depuis le premier tour. Il y a eu des courages, il y a eu des blessures, on ne sait pas grave. Il y a eu 806 millions, il n'y a pas eu d'élection. Après, on ne voulait pas ne pas aller à l'élection. L'Union européenne, le premier international, l'Union africaine, le CDAO, le Minusima, Barca, Barkan, ils sont venus voir Soumaïla, j'étais là-bas. Ils disent vraiment, on ne peut pas boycotter l'élection. Soumaïla a dit, je vais revendiquer trois choses. Pas de vol. Je vais supporter le pays. Là qui est pays de vol. Parce que ma militante, ils sont tous là-bas. Ils sont garantis qu'on n'aura pas de prise à sa dépendance et il va supporter les 800 communes. Merci. On salue le gouvernement. Il y a 400 communes à Trivolier. Mais le problème, c'est voir comment il est pressé. On a allé en vote, on a fait des pratiques. Moi, mon candidat, avec les résultats normaux, il a eu 52 virgules. Il déclare 48. Qu'est-ce qui se passe après? Il amène les rimes dans la noix, Kigali, Andrapoukane, en Éthiopie, pour dire qu'ils sont oubliés, ils sont venus à l'État. On dit que non. Comment vous voyez, madame, pour le premier en Kigali, il n'y a pas de 200 personnes. Il peut amener 24 000 personnes. Comme à Andrapoukane, comme à Éthiopie, 9 000 personnes. Soumaïla est joué, elle l'a joué. Secondo, on a dit que comment ils sont venus de l'âge. On a montré hier, vous étiez là-bas. Est-ce que des Maliens dans la monde, on peut voter dans une minute? On peut voter dans une minute? Pour terminer, je suis député à l'Assemblée, on a voté une loi. On a dit avant c'était 700, on a amené 500. On ne peut pas dépasser 500 personnes, 500 voteurs par jour. Mais hier, vous avez vu, il y a un bureau qui 800 votants pour l'IDK, 700 votants, 600 votants pour l'IDK, c'est le voile. Il y a 8 bureaux, Soumaïla et Isoro, les noirs, Soumaïla et les noirs. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? On a dit que vraiment, le ministre a donné les résultats, ça n'engage que lui. C'est pas notre résultat. Un ministre qui a battu la campagne pour les candidats, un premier ministre qui a organisé l'élection, il a battu la campagne, et tous les gouvernements, les Français, vous êtes là? Voyez, on dit qu'on ne peut pas prendre les fichiers, on ne peut pas faire les tribunaux, on ne peut pas mettre les fers, on va revendiquer comme une démocratie à nous, notre victoire, on veut que les cours, on attend.